Bonjour à tous, c'est Kilou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on fait pour vendre une voiture sur Gran Turismo 7 parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas et pourtant, depuis la mage 1.26, on peut. Donc voilà, je vous montre ça rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fait énormément plaisir et ça ne coûte absolument rien. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner parce que j'ai encore beaucoup de monde qui passe sur ma chaîne mais qui s'abonne pas. Donc allez-y, bombardez les abonnements, ça serait cool. Et puis voilà. Donc pour vendre ces voitures, tout simplement, on va se rendre sur véhicules d'occasion. Une fois qu'on est dans le menu des voitures d'occasion, ici, là où tu peux les acheter, hein, et bah tout simplement, maintenant, il y a ceci, service d'estimation de la voiture. Donc là, tu viens cliquer là-dessus. Là, c'est uniquement tes véhicules. Donc là, on va prendre pour exemple la Suzuki qui est là, la Cappuccino là, estimée. Et tu vois un petit peu sur les 2 semaines ce qui s'est passé au niveau de leur estimation. Donc voilà, là, on voit qu'on est dans le moment, hein, on va dire un petit peu les plus, pas les plus bas, mais on commence à remonter, mais on n'est encore pas aussi haut qu'il y a 15 jours. Donc voilà. Tu vois un petit peu les courbes, tu vois qu'ils t'estiment ça à 10 990 crédits, et là tout simplement, ben vendre, et tu mets oui si tu veux vendre ton véhicule, si t'as pas envie de le vendre, tu mets non, et tu vois que les crédits augmentent tout de suite. Donc voilà, et là tu peux te faire pas mal d'argent si tu as plein de voitures que tu n'utilises pas, comme moi j'en ai plein 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 dans ce jeu que j'utilise pas. Et ben voilà, tu vas dessus, tu cliques, tu vends tes voitures et puis tu te fais un max de crédit pour racheter d'autres véhicules qui t'intéressent un petit peu plus. Et voilà pour ce qui est de ce petit tuto. Je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. À très bientôt.